comparait au Nil. De même que le Nil avec son limon seul avait fait éclore dans sa vallée une civilisation merveilleuse, ici le Mekong, et pendant chaque année ses eaux, avait déposé la richesse et préparé l'empire fastueux des Khmers. Après 20 ans de guerre, de génocide, c'est de la tradition que renaîtra la culture cambodgienne. C'est à Angkor qu'est née l'âme khmer, il y a près d'un millénaire, d'un peuple venu d'Asie qui bâtit ses splendeurs de pierre, Angkor Wat, le temple, Angkor Thom, la cité aujourd'hui disparue. Sur les fresques d'Angkor, les danseuses Apsara racontent la légende de Rama. C'est une histoire très populaire au Cambodge, depuis longtemps. Il y a des siècles et des siècles qu'on a raconté l'histoire du Rimke. Il y a des statues dans les temples millénaires. Et cette histoire est très très populaire dans la période d'Angkor. Le Rimke, c'est la version khmer du Ramayana. Il y a les bas-reliefs qui racontent l'histoire du Rimke sur les murs d'Angkor. Et Angkor Wat est construit sous le règne de Soyaman II en 1132, je pense. Le Ramayana est la Bible de l'Asie. C'est un poème épique de 24 000 versets écrit en sanskrit entre 1500 et 600 avant Jésus-Christ par un moine poète, Valmiki. Recopié sans fin, illustré, mimé, dansé, cette légende permet à tout un peuple de renouer avec les dieux de son glorieux passé, des dieux qui ont pris la couleur du bouddhisme mais qui véhiculent toujours, sous ce nouvel habillage, les amours, les passions, les excès des hommes. À Angkor est née l'âme khmer. À Angkor sont nées les apsaras, les danseuses classiques qui vont, elles aussi, entrer dans la légende. Celles qui pourront, après des années d'apprentissage, interpréter dans le ballet royal les rôles-titres de la légende de Rama. L'épopée met en scène cinq personnages principaux entourés d'une foule d'autres intervenants secondaires dans de multiples épisodes qui font partie du répertoire populaire et traditionnel du Cambodge. Au royaume mythique d'Ayodhya, Rama, ou Pririm en cambodgien, est un prince de légende à mi-chemin des hommes et des dieux. Auprès de lui, Sita ou Nang Sita, la princesse, l'amour, l'éternel féminin. Laxmana, ou Prilaxme, le frère du prince, veille au bonheur princier. Dans les profondeurs de la forêt, à la tête de son armée de géants bleus, le démon Ravana prépare la guerre. Alors, Rama appelle l'armée des singes et le merveilleux singe blanc, Hanuman. Nous sommes au début du spectacle, Rama, Sita et Laxmana se promènent en forêt. La danse classique cambodgienne est une grammaire complexe, dans laquelle chaque geste ou attitude isolée a un sens. Le sens d'un même geste se nuance ou se modifie selon l'enchaînement dans lequel il s'intègre, selon la situation, et quelquefois aussi selon le personnage dansé.
lente marche dans la forêt a fatigué les trois héros du récit qui retournent à leur ermitage. Le jeu entre le prince Rama et sa belle épouse exprime d'abord l'accord parfait de leur couple, puis la tendresse, et enfin le repos. Pour parvenir à une telle précision dans la répétition des 4500 gestes qui composent la danse, les danseuses doivent commencer très jeunes. À 7 ans, elles sont prises en main par les maîtresses de ballet de l'Académie des Beaux-Arts. Autrefois, celles qui étaient élues entraient au palais au service du roi et du ballet royal. Commence alors la longue, longue répétition des exercices de base, des années de pratique et d'efforts, avant d'être autorisées à danser en public dans la troupe nationale et peut-être pour les meilleurs, de parvenir au rôle convoité de Sita. J'ai travaillé avec le Palais Royal, plus avec l'Université des Beaux-Arts en même temps. C'est très difficile. Il y a toute une. C'est comme une vie qu'on est consacré à un monastère, très rituel, tout très, très, très difficile. Si on l'aime vraiment, ça devient très, très difficile. Ça dépend. Maintenant, on peut danser plus facilement la danse classique qu'avant. Avant, quand j'étais danseur, c'est très difficile, on ne peut pas, parce que ce sont les gens qui ont certaines classes, qui sont appris depuis jeune âge, et ils ont c'est eux qui dansent et les autres qui attendent. Et il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour qu'on arrive un jour à monter sur scène. Et on commence par un tout petit rôle, et en progressant, on arrive à quelques rôles importants. Avant 1970, oui. La danse classique est très développée et dans ce temps-là, on appelle la danse royale. La place d'entraînement, c'est dans le palais. Il y a un pavillon, on appelle Chanchaya, c'est la salle de danse. Et juste 1975, où commence le règne des Khmers Rouges, alors on abolit cette forme d'art comme les autres patrimoines culturels du Cambodge. Et après le mois de janvier 1979, le pays est libéré. Alors nous essayons de faire le bilan en comparant les survivants avec les danseurs, les danseuses avant la guerre. Nous voyons clairement que plus de 90% des danseurs, des maîtres de danse, des compositeurs, des artistes sont massacrés dans le régime des Khmers Rouges. Nous commençons à faire revivre toutes les formes d'art avec les mains nues. Et il y a quelques maîtres de danse classique qui sont survivants. Et nous commençons à entraîner les jeunes, surtout les orphelins. Et puis en même temps, nous donnons des représentations pour le public. Il faut que les professeurs
qui donne des cours très sévères pour vérifier, car la danse classique c'est presque une grammaire très nette pour les Cambodgiens. Oui. Chaque geste, c'est un signe conventionnel. Ravana est le personnage noir du Ramayana, le démon, les forces du mal. Lorsque Ravana se déplace, il s'annonce par une démarche tout à fait identifiable. Ce n'est ni une allure de promenade, ni un déplacement gracieux, mais une présence qui s'impose pesamment. Sol frappé du talon, orteil relevé, main gauche sur le cœur, c'est le signe de la colère. Et quand l'âme du démon est touchée par la grâce ou le plaisir d'une situation favorable, c'est le sourire, bras ouverts. Tous ces gestes précis s'enchaînent dans un mouvement plus complexe qui est l'envol de Ravana. Quant à la rencontre avec un obstacle inattendu, elle se traduit par un geste de surprise et de défense. Voici qui entre avec son ministre Mahorik. On le reconnaît à ses deux crocs, à son aspect terrifiant et aux neuf têtes qui ornent son mokot, sa coiffure. Les quatre têtes au sommet du crâne regardent les quatre directions de l'espace. C'est la tête de Brahma qui est au sommet. On reconnaît les géants aussi à leurs épaulettes. Quant à son général des géants, il porte une crête de coq au sommet de son mokot. Ravana est épris de Sita, il décide d'une ruse afin d'éloigner Rama de son épouse. Il renvoie son géant et le métamorphose en cerf. L'animal est splendide, il a un pelage couleur d'or. Il entame une parade de séduction et Sita, à peine éveillée, est fascinée par l'animal. Elle demande à son mari de le tuer et de lui en rapporter la peau. Rama ne veut pas la quitter, il pressent une ruse de géant. Et pourtant, il a cédé aux supplications de son épouse, le cerf a réussi à l'entraîner et avant de tirer sa flèche magique, il se recueille. L'animal sait qu'il va mourir et Rama tire sa flèche. En mourant, le cerf a poussé un cri en contrefaisant la voix de Rama qui appelle son frère à son secours. Sita, très inquiète, supplie Lakshmana d'aller porter secours à Rama qui ne veut pas la quitter, qui s'y résout enfin et trace autour d'elle un cercle de protection magique et la remet à la déesse Terre, lui défendant de sortir du cercle et d'y laisser pénétrer qui que ce soit. Survient Ravana, qui profite de l'absence de l'époux et du beau-frère. Sita reste absolument insensible à ses manœuvres, protégé par son cercle. Quand il veut y pénétrer, il s'en élève des flammes et il revient métamorphosé en ermite. Il existe beaucoup de masques d'ermite dans le Rimke. Mais quand l'ermite joue ainsi à visage découvert, c'est qu'il s'agit de Ravana, déguisé en ermite. C'est ainsi qu'on l'indique au public. Pourquoi se méfier d'un saint homme ? Et donc Sita va sortir du cercle magique de protection et sans le vouloir se mettre ainsi à la merci de Ravana. La voici qui salue l'ermite respectueusement.
très vite va se révéler être un vilain individu. Et voilà, Ravana se met en colère, Sita l'a repoussé et il revient avec tous ses attributs de roi des géants. Sita n'est donc plus protégée par son cercle magique. Elle crie, elle appelle au secours, elle le repousse. Mais Ravana est trop puissant. Et nous allons assister à l'enlèvement de Sita. Il l'enlève dans les cieux et l'emmène jusqu'à l'île de Lanka, son royaume. Le Rimke a survécu à la guerre et se maintient dans la tradition populaire, mais pour combien de temps encore ? Phnom Penh devient très perméable à une culture mondialiste au mode venu d'Europe, des États-Unis ou de Thaïlande. Histoire et avenir, évolution et tradition, c'est du traitement de cet antagonisme classique que sortira la future identité khmer. Le serpent à sept têtes veille toujours au pied du Phnom, la colline qui a donné son nom à la ville. L'architecture khmer demeure ici comme une mémoire collective inscrite dans la pierre. Mais les vêtements européens ont remplacé les sans-potes. Une autre forme de spectacle traditionnel tente de se maintenir. Le théâtre d'ombre raconte lui aussi les exploits du prince Rama avec des panneaux de cuir découpés, manipulés uniquement par des hommes. Mais les grands cuirs ont presque tous disparu sous le règne des Khmers rouges. Télévision et vidéo balaient la culture ancestrale. Je peux dire que c'est presque une crise pour les arts du spectacle. Parce qu'il y a peu de gens seulement qui vont assister le spectacle à cause des vidéocassettes qui entrent de tous les côtés, tous les coins du monde. Et c'est pas seulement les vidéocassettes, mais la civilisation étrangère qui entre de tous les coins et qui rend difficile pour les gens qui travaillent dans la culture du Cambodge aussi. Ici, comme dans de nombreux foyers de Phnom Penh, les programmes thaïlandais ou américains propose la séduction facile de l'image conçue au moule du marketing international. Les clips de chanteurs et danseurs occidentaux sont plus fréquents que les sujets sur le Ramayana, bien que des séries télévisées essentiellement indiennes aient été tirées de cette extraordinaire saga mythique. La réalisation en est souvent grandiloquente et les multiples aventures de Rama fournissent une base inépuisable aux scénaristes. Autre dérive de la tradition, les nightclubs de Phnom Penh offrent, au milieu des rythmes disco, des plages de musique khmer sur laquelle la jeunesse branchée retrouve les gestes de son patrimoine. Grâce au travail des anciennes maîtresses de ballet, une jeune génération d'Apsara se prépare à prendre la relève. Nari a fait ce choix. Une discipline de fer, des années de travail autour des exercices de base. Ce qui la motive, peut-être un rêve de petite fille, devenir belle parmi les belles. Et même si les bijoux de Sita ne sont aujourd'hui qu'en métal doré, ils étaient en or autrefois, le rêve demeure. Pour moi, personnellement, ça représente quelque chose de grandiose, intouchable, quelque chose de rêve. Ça, c'est moi, personnel, parce que je suis un danseur et que j'aime ce métier. Et je fais avec quelque chose de
très sacré en moi. Et c'est ça que je trouve que le ballet royal, pour moi, c'est le DS. C'est quelque chose qu'on a envie de l'être comme elles, parce qu'elles sont très belles. Un rêve à portée de main en éventail, de regard hautain et grave, un rêve de travail, d'application, pour sortir de l'école de danse sous les traits d'une princesse de légende. Les costumes de ces déesses sont les parfaites répliques des fresques d'Angkor. D'ailleurs, il s'agit moins de costumes que d'étoffes qu'un art savant du pliage transforme en habits étroitement ajustés sur le corps des danseuses. Trois à quatre mètres de tissu lourd, noués autour de la taille, vont être plissés par les mains expertes des danseuses ou danseurs eux-mêmes et des maîtresses de ballet, selon une technique extrêmement rigoureuse, afin qu'aucun pli ne bouge pendant toute la durée du spectacle. Il s'agit ensuite de coudre solidement l'ordonnancement ainsi obtenu. La danseuse et le costume ne font plus qu'un, ce qui s'appelle vraiment rentrer dans la peau du personnage. Chaque rôle a bien sûr un costume qui lui est propre, couleur, bijoux, jusqu'aux broderies sur le tissu. À Phnom Penh, les brodeuses travaillent sur des canevas traditionnels, utilisant paillettes et fils dorés pour personnaliser les étoffes. Un travail patient, précis, répétitif, qui s'exécute en communauté et rassemble les femmes autour de longues tables, quelquefois même dans les couloirs du Théâtre National, sans doute pour une meilleure inspiration. Chaque motif est un code, chaque dessin porte une signification. Les petits escargots dorés représentent par exemple les poils bouclés des singes. On les retrouve peints de la même façon sur les masques. La préparation en coulisses est très longue, il faut environ 5 heures aux danseurs pour s'habiller et coudre les vêtements, se maquiller. Mais à la veille d'une représentation, le temps n'existe plus de la même façon. Les gestes lents et précis de travail des étoffes, les travaux d'aiguille participent à un rituel de mise en condition des artistes. Dans la tradition, lorsque les mokottes, coiffes porteuses des attributs des personnages, sont mis et que les danseuses sont habillées, elles demeurent totalement silencieuses et immobiles jusqu'à leur entrée en scène. Le Ramayana est un jeu symbolique qui mène au sacré. La préparation est la transition nécessaire aux danseurs, un préalable à la liturgie qu'est le spectacle. Mais rien ne commence sans le Sampikru, une offrande d'encens et de fruits au dieu du Ramayana. Alertés par le cri de Sita, Rama et Lakshmana reviennent en hâte à l'ermitage. La place est vide. Il cherche Sita et ne la trouve pas. Elle a disparu. Ils sont désolés. Traditionnellement, le costume de Lakshmana est toujours doré et celui de Rama vert. Il laisse libre cours à leur chagrin, pleurs, mouvements d'épaule, sanglots. Rama essuie ses larmes. Et il décide d'apprendre
appeler Hanuman. À l'aide, il décoche une flèche magique. Et Hanuman, le grand singe blanc, le fils de Vayu, le vent, arrive. Hanuman est l'un des personnages les plus sympathiques et truculents du Rinke, extrêmement populaire. On le reconnaît bien sûr à sa queue de singe. On reconnaît les singes aussi à leur masque, orné de trois crêtes. Les grades des singes dans l'armée sont indiqués par le nombre de rangs de décoration à la base du masque. Et on les reconnaît aussi aux broderies en spirale de leur costume qui figurent leurs poils bouclés. Rama lui explique sa mission et il lui confie sa bague qui lui permettra de se faire reconnaître de Sita quand il l'aura retrouvée. Il devra s'assurer aussi de sa fidélité. Le Rinke est un récit épique dont la représentation pouvait se poursuivre jusqu'à plusieurs nuits d'affilée. La version ici présentée nous propose la trame principale du récit. Les principaux personnages de Rinke sont des figures religieuses et populaires dans la culture cambodgienne. Nous voici de nouveau à Lanka, dans le palais de Ravana où Sita est emprisonnée. Elle se désole, elle se lamente, mais inflexible, elle reste fidèle à son époux Rama. Hanuman a réussi à traverser la citadelle et à retrouver Sita. Tout à son chagrin, elle se demande si Ravana n'a pas usé d'une nouvelle ruse pour la séduire. Et Hanuman, pour se faire reconnaître, va lui présenter la bague de Rama. Il assure que son époux fera tout avec son armée pour la délivrer. Pour les singes, pendant l'entraînement, ils ne portent pas les masques. Ils peuvent se voir facilement, mais pendant la vraie représentation, ils portent des masques. Donc il y a le problème. Il faut faire attention, il faut faire... bien régler les cadences. Les singes et les géants sont les seuls rôles qui peuvent être joués par des hommes, depuis que le Rinke n'est plus interprété seulement à la cour par les danseuses du roi. Avant, dans les palais, souvent, il n'y a que des femmes. Et cette danse classique, ça réserve que pour la cour, finalement. Et c'est ça, il n'y a que des femmes qui dansaient des rôles de filles, les garçons, les singes, et en a, ça existe. Une femme dansait le rôle de singe. Finalement, c'est trop compliqué et tout ça. Et ils sont dans le palais royal et a recruté des garçons danser le rôle de singe. Mais c'est réservé que pour la cour. Mais comme le peuple à l'époque ne peut pas voir cette danse tout le temps, et c'est ça, les peuples ont créé notre Ramayana, qui s'appelle la Kankal, qui est jouée entièrement par les garçons. Et c'est tout à fait différent. J'ai 33 ans. Je danse plus de 10 ans déjà. Je commence à étudier la danse classique dans le rôle des singes depuis à l'âge de 7 ans. Puis pour je voulais cette soirée pour que nous j'ai cru bon. Oui, parce que c'est l'héritage de mon père et c'est mon père qui m'enseigne. Jita Hanuman. Le grand-père aussi c'est Hanuman. Pour Hanuman.
Le père est Hanuman. Moi aussi Hanuman. Puis comme il y a Karin, Hatrin, vieux tant que tôt moi, comme un temps dans le pays, tout le monde est à Joe, non, qui est là, qui est là. Depuis mon enfance, depuis j'étais petit, alors je commence à apprendre dans la famille. Et puis après ça, alors j'entre dans l'école des Beaux-Arts. C'est mon fils, maintenant il a à peu près 5 ans, qui va continuer. Exercices de base, ils sont les mêmes certains, mais il y a des écarts un peu différents. C'est-à-dire que quand un garçon fait un salut, c'est-à-dire il donne beaucoup plus aisé, et que les femmes quand elles donnent un salut, c'est beaucoup plus petit, plus menu, plus encore plus doux que les garçons. Voici dans la mer où les singes sont en train de construire un pont pour permettre le passage de l'armée de Rama de la côte jusqu'à l'île de Lanka. Pour construire ce pont, les singes déplacent des montagnes. Ils jettent des montagnes dans la mer avec des pans entiers de forêt. C'est un ouvrage gigantesque. Le singe noir. Le singe rouge, oncle d'Hanuman et général de l'armée des singes. Les poissons sont extrêmement dérangés par cette construction. La reine Sovanamacha et deux poissons d'or entrent. De détruire le travail des singes. Les singes sont furieux de voir leur ouvrage détruit. Hanuman vient à la rescousse, il faut trouver un accord avec Sovanamacha pour qu'elle permette la construction du pont. Comme Hanuman vient de la part de Rama et qu'il est aussi un grand séducteur, Sovanamacha finira par se rendre à ses raisons et proposera même l'aide des poissons. Il y a des morphologies, c'est-à-dire que le rôle de garçon qui danse pas les filles, il faut une certaine taille. Et les filles aussi, elles sont beaucoup plus, comment dirais-je, pas potelées, pas... Ils ressemblent à une sculpture dans les temps Khmer, c'est-à-dire avec une poitrine, avec des hanches. Ne peut pas être une fille osseuse chez Sita. Mettons le rôle de Sita ne peut pas être une fille osseuse. Au contraire, le rôle de garçon, ça peut avoir une grande fille longiligne. C'est le plus beau chez les garçons, c'est de 1m68, 70 de maximum, déjà trop. Et chez les filles, à peu près 10 cm de moins que chez les garçons, même un peu moins. Sita, c'est un rôle de femme. Rama, c'est un rôle d'homme. Et de Ravana, c'est un rôle
géant. C'est-à-dire que tous ces trois rôles sont différents. En principe, non. Entre Rama et Ravana ne peut pas se mélanger. Mais en cas pour une tournée à l'étranger ou quelque chose de spécial, Rama peut danser le rôle de Ravana. Mais on fait mieux de séparer. Mais au contraire, que Sita ne peut pas danser le rôle de Rama. Ça, Sita a resté chez les filles une partie. C'est les filles ne peuvent pas danser le rôle garçon et le rôle garçon ne peut pas danser chez les filles. Et que les géants donnent un salut, ça veut dire que c'est un grand, c'est-à-dire d'abord par leur taille, est beaucoup plus grand que les hommes normaux. Et c'est ça que quand ils donnent un salut, c'est vraiment la grande seigneur différent. Et en regardant, on sait, il y a les... mais ce sont les mêmes gestes différents. Voilà. Sur les masques de géants sont figurés des cheveux bouclés et crépus. La fabrication de ces masques de papier mâché obéit à des règles rituelles. De même, la symbolique des masques est immuable et très précise, dans les couleurs employées, les ornements de décoration. Voici Ravana qui passe son armée en revue avant la bataille. Il compte ses soldats. Démonstration de puissance, de pouvoir, l'armée rejoint le champ de bataille. Pour la danse classique, je peux conserver oui, l'authenticité de cette forme. Depuis la naissance de cette forme, je ne veux pas que cette forme évolue selon le rythme de la société actuelle. Les musiques, les morceaux de musique sont des morceaux traditionnels. Mmh. Et le rythme avec les gestes de danse est très très lent. Ouais. Donc si nous comparons avec la société actuelle, c'est un peu différent, mais quand même il y a. C'est la valeur historique, n'est-ce pas, de cette forme, il faut bien préserver, je pense. La musique traditionnelle khmer s'appuie sur l'orchestre Pinpit, dont l'usage se maintient aujourd'hui, surtout dans les campagnes. Il y a beaucoup de jeunes dans la campagne, même à Wat Swai Anlet, quelques kilomètres d'ici. Il y a des enfants qui peuvent jouer l'orchestre Pinpit et l'autre jeune qui peut jouer l'orchestre de mariage. Ce sont des orchestres traditionnels. Mais spécialement pour les jeunes de Phnom Penh, c'est un peu difficile. À Phnom Penh, c'est plus difficile car la musique européenne et le jazz concurrencent les instruments cambodgiens. Traditionnellement, l'orchestre Pinpit accompagne la danse classique et toutes les formes de théâtre. C'est aussi l'orchestre de la fête, les fêtes villageoises riches en danse folklorique, temps fort et anecdotes de la vie rurale. Thank you.
Pour le rimké, l'orchestre est composé du kong, sorte de grand xylophone circulaire, et du sampo, tambour à deux faces que l'on frappe d'une main sur une face et avec une baguette sur l'autre. Le sralai, de la famille des hautbois, donne la ligne récitative alors que le double tambour, skortom, soutient la cadence. Les cymbales et le ronit, deuxième long xylophone, complètent l'orchestre. Il n'existe aucune notation écrite de la musique. La transmission orale du répertoire se fait de maître à élève, de génération en génération, par la mémoire et par l'exemple. Un air conventionnel est fixé à l'avance pour chaque thème de l'épopée afin de créer une atmosphère musicale appropriée à l'épisode. Deux récitantes dialoguent, improvisent, déclament les vers et racontent, sur un mode récitatif, les aventures du prince Rama. Chaque chant est précédé d'une indication destinée au choriste ou à l'orchestre pour le choix du mode de récitation, de l'air et de la cadence. Il y a beaucoup de formes de théâtre chanté traditionnel, oui, les formes différentes. Et pour le théâtre parlé, par exemple, nous utilisons le théâtre dramatique que les Cambodgiens appellent le théâtre parlé, car c'est nouveau pour les Cambodgiens. En 1949, il y a un professeur français qui aide les jeunes Cambodgiens d'interpréter quelques scènes d'après les textes littérature dans ce temps-là, et ça prend naissance de la forme de théâtre parlé, juste maintenant. C'est sous Napoléon III que la France et le Cambodge se sont rencontrés sous les auspices difficiles de l'expansion coloniale. En 1863, la France impose au roi Norodom un traité de protectorat. Mais c'est dans les années 1900 que les Français découvrent encore et les danseuses Apsara. En 1906, le roi Sisowat vient en visite officielle en France pour l'exposition coloniale de Marseille. Il est accompagné du ballet royal. Les Français tombent sous le charme, le sculpteur Rodin également. Ses carnets se rempliront d'esquisses et d'aquarelles prises sur le vif de ces petites ballerines dont l'écrivain Pierre Loti disait qu'elles sont un frémissement de tout leur être. En mai 1931, l'exposition coloniale du bois de Vincennes est inaugurée par le maréchal Lyautey. Les Parisiens émerveillés y visitent la reconstitution des temples d'Angkor. Puis, les danseuses cambodgiennes quitteront les scènes françaises et internationales pour une longue éclipse. Le Cambodge connaîtra alors violence et destruction de sa culture. La guerre des dieux était devenue celle des hommes. Nous voici maintenant dans le camp de Rama. L'armée se met en marche à son tour vers le champ de bataille. Les masques que portent tous ces danseurs sont très légers, puisqu'ils sont faits de papier mâché. D'une part, l'ouverture des yeux est toute petite, donc les danseurs sont obligés d'adapter leur vision. D'autre part, les trous des narines aussi sont tout petits, donc il faut adapter sa respiration, ce qui est d'autant plus délicat que tous ces mouvements des géants et des singes demandent une grande énergie physique. D'autre part, les costumes étant cousus
Sur les danseuses, il leur faut aussi adapter leur gestuelle à cette contrainte. Les deux armées sont en présence, se sont défiées et l'affrontement commence. Tous les coups sont permis. Il y a énormément de récits de bataille dans le Riemke. Ce sont des combats terribles. On parle de fleuves de sang qui s'écoulent. Le choc des armes ébranle les cieux. Tous les grands princes, les rois, ont des armes magiques dotées de puissance extraordinaire. Et quand ces armes s'entrechoquent, il en jaillit des éclairs. Les cieux sont ébranlés, la terre tremble. Ce sont des combats extraordinaires, extra-humains, qui mettent en présence les forces célestes et terrestres, toutes les puissances. Rama, qui va à son tour se battre contre Ravana. Jusqu'à présent, dans leur Riemke, en général, ce sont les généraux qui se sont affrontés et non pas Ravana et Rama. C'est l'ultime combat. Vous notez les singes à l'arrière-plan, excités, prêts à intervenir. Classique, un affrontement qu'on peut retrouver dans de nombreuses représentations iconographiques. La position haute de Rama par rapport au groupe nous indique qu'il est vainqueur. Et il contraint Ravana à la fuite. L'armée des singes a vaincu les géants. Rama peut désormais aller délivrer et retrouver Sita. Aujourd'hui, ils sont toujours un symbole vivant de la fidélité et de l'amour parfait. Les singes manifestent leur contentement par ce rire. Dans les coulisses du Grand Théâtre de Limoges, le directeur du Théâtre National Cambodgien veille. C'est à lui, Pictun Kravel, à ses maîtresses de ballet, ses danseuses, que l'on doit la renaissance du Théâtre Khmer. En France, au Festival International des Francophonies en Limousin, face au public français et aux autres cultures du monde, le peuple khmer tout entier affirme son identité au travers de son théâtre renaissant. C'est l'ouverture au monde, la confrontation des regards et des expériences, la confirmation de la voie à suivre. Presque un siècle que les Français habitent au Cambodge. Les savants français, beaucoup de savants français qui écrivent beaucoup de livres intéressants, l'histoire du Cambodge, l'archéologie du Cambodge, ou bien les formes du spectacle au Cambodge aussi. Oui. Je crois que c'est très intéressant pour les Cambodgiens. Oui. Mais je pense que les Cambodgiens eux-mêmes doivent continuer. Le Riemke prend une importance toute particulière dans la vie du Khmer. Il intervient dans la quotidienneté comme dans la vie artistique. Dans la quotidienneté, c'est souvent par référence au Riemke que se situe
le bien et le mal. Et dans la vie artistique, c'est à peu près la même chose. Le canon de beauté, le canon qui régit la vie du bien et du mal est également ordonnancé par la scène, l'épopée, les scènes de Rimké. Malgré ses dehors si amoindris, ce peuple cambodgien déchu est resté le peuple khmer, celui qui étonna l'Asie d'autrefois par son mysticisme et son faste. C'est toujours le Ramayana, l'épopée si ancienne et si nébuleuse, qui continue de planer sur son imagination et de guider son rêve.